Hey! 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 Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous présente la magnifique Peugeot 406 du film Taxi 2. Donc Evan est venu nous la présenter, donc il est juste à côté de moi. Salut Evan. Salut à tous, moi c'est Evan, j'ai 29 ans, je suis Lyon. Ouais. C'est ma 406 Taxi. Eh ben allez, on va la présenter. Donc toi quand tu l'as acheté toute d'origine. Et du... entièrement d'origine, ouais. Ouais, le moteur c'est un... 2 litres 2, 158 chevaux. Ouais. 2 litres 16S. 16S, ouais. C'est un moteur W12, donc ouais. C'est la même base moteur que la 206 S16, 206 RC. D'accord. En 2 litres 2. D'accord, et ouais. Du coup, ce que tu as fait dessus, c'est que tu as changé les jantes. Les jantes. Qui viennent. Angleterre. Angleterre, ouais. Fraîchement d'arrivée. Donc c'est les TSW Imola. TSW Imola en 17 pouces. 17 pouces, ouais. Elles sont toutes neuves là, tu viens juste de les recevoir. Ça. Du coup, tu as tout remis avec le cerclage en bleu. Les coups bleu anodisé, le logo TSW. Ouais. Et le circuit d'extérieur. D'accord. Et avec 4 pneus neufs Michelin Pilot Sport 4. Donc quoi, t'as mis les Michelin, j'ai vu qu'elle est rabaissée, donc t'as été obligé de toute façon pour faire à la même cote que le film. Ah non, je suis loin d'être dans la même cote que le film. Ouais, parce que normalement je crois que dans le film elle est plus basse avec à l'arrière, très basse à l'arrière. Et elle doit être sûrement... Elle est surélevée un peu à l'avant par rapport au pare-choc. Par rapport au pare-choc peut-être, ouais. Ou elle doit prendre un même rabaissement. Après, d'accord. La combinaison futée elle est vraiment très basse, moi c'est pas des combinaisons futées, c'est des ressorts airbag, ouais. Avec des amortisseurs via rouge. Et tu penses la rebaisser après pas Si je la rebaisse, ça serait en ressort une toujours, mais il faut trouver des ressorts plus courts. Ah, faut trouver des ressorts plus courts là. Et c'est compliqué, mais c'est pas une voiture qui fait sportif, il y a peu de pièces. Mais pour aller les amortisseurs, c'est sur mesure. Ah, c'est sur mesure. Du Michelin, il est possible à trouver. Ouais. Ouais, moi j'ai trouvé Via Rouge. J'ai contacté Via Rouge, ils m'ont fait faire sur mesure. D'accord. Alors, pour plus de 1000 balles d'amortisseur. Ah ouais, quand même. Ouais, c'est chaud de trouver des pièces, ouais, parce que la voiture elle est 2000. 2001, c'est ça. 2001, ouais. Donc c'est la phase 2, hein, il me semble, des 406. C'est la dernière. Ouais. Donc voilà qu'on vous voit dans le Taxi 2 avec. Là, du coup, t'as mis le Rémus, j'imagine. Silencieux Rémus en inox, ouais. Ouais, donc c'est le silencieux Rémus, comme dans Taxi 2. On a également la belle borne Taxi. Ça a été difficile de trouver ou pas ça? Ou t'as fait comment? Alors, je l'ai trouvé en plusieurs morceaux. Ouais. En gros. Au moment d'acheter la voiture, j'avais quelqu'un qui la mettait en vente sur Facebook. Ouais. Donc uniquement la partie centrale. Après, j'ai trouvé les patins, un taxi qui les vendait sur Lyon. Ouais, les patins en aimant, là, aimantés, ouais. Et la housse que j'ai, qu'on met le cash, en fait, c'est j'ai trouvé pareil sur le bon coin. Sur le bon coin, ouais, exactement. D'accord, et du coup, elle s'allume via la. C'est moi qui fais l'alimentation. Par contre, j'ai tout branché en un coup. D'accord. Je la branche, tout s'allume. D'accord. C'est pas le cas, mais. Ouais, en fait là tu branches à l'allume-cigare par exemple et toutes les diodes elles s'allument. Toutes les ampoules s'allument. Ouais. Là si on allume on y voit non? En plein jour je pense pas. Ouais, on verra rien. Ouais. Parce qu'en fait c'est quoi? C'est les diodes qui s'allument ou Taxi Marseille? Tout. Tout s'allume. Ouais. T'es allumé là? Non ça a pas l'air. Ah là si. Donc là on voit les petites diodes mais après il fait rouge. Et la grosse borne elle s'allume mais il faut qu'on soit dans le noir. Ouais, ça fait un peu jaune après. D'accord. Après, jour, on voit pas mais c'est exactement la même que dans le film quoi. Alors oui et non, parce que dans le film c'est percé sur le Percée. Sur le pavillon. D'accord. Donc, ouais. Ça moi ça aurait été ça. Ouais, tu vois. C'est les deux pattes qui sont. Il y a une vis de chaque côté, c'est vissé directement sur le. Ah ouais ouais, non mais aimanté c'est bien parce que ouais, dans le film quand il est discret il enlève ça. Il l'enlève pas dans le. Ouais. Enfin, il l'enlève jamais. À part dans le 1 il l'enlève. D'accord. Et dans le 2 et 3 il enlève jamais et c'est... Du coup tu nous as fait les plaques comme dans le film. Ouais, c'est pas du film, ouais. Ouais. C'est un collègue taxi aussi qui me les a fait avoir, parce que ça pour les avoir c'est compliqué. Ouais bien sûr. Ouais. J'ai l'avant et l'arrière. Ouais donc l'avant en blanc, l'arrière en jaune comme ouais. Vous avez vu. Et là dans les Peugeot 406 il y a plusieurs blancs ou c'est. Il y a un seul blanc. Il y a un seul blanc. En plus ils sont très rares maintenant d'avoir une 406 blanc comme ça. Il y en a plus en HDI. D'accord. Des HDI, ouais.
Et dans le film, tu sais, c'était quel moteur du coup ou... Alors, il y en a plusieurs, mais celle qui est l'aérocar, c'est censé être un 3 litres V6. Ouais. Bah, elle est vendue comme un 3 litres V6 en tout cas. D'accord. Là, il dit que c'est un V6. Mais après, il y a plusieurs motorisations. Après, c'est un film, ils étaient moins cher. Ouais, après, je pense qu'ils avaient plusieurs véhicules pour le film, pour les cascades et tout, les poursuites. Mais en tout cas, c'est exactement la même. Donc là, elle est en mode gentil. Et normalement, Evan, dans 5 minutes, comme je l'ai dit, tu nous la transformes par choc avant, arrière, les petites cales. Et là, la prochaine Audi, ça va être le freinage avant. Elle va passer en Brembo de 406 V6. Donc à l'avant, prochainement, modification en Brembo, du coup, ouais. 4 pistons. Et tu comptes faire le pare-choc et l'aileron ou pas du coup? Pas pour le moment, j'ai pas la place pour le moment. Ouais, puis ça doit être un investissement, je pense. Oui, mais ce qui me bloque vraiment, c'est la place. Ouais, c'est la place qui te... J'aurai pas la place pour la stocker telle qu'elle a. Ah, bien sûr, parce qu'après, avec le pare-choc, ça prend énormément de largeur. Plus large à l'avant et à l'arrière, j'ai l'aileron. Là, actuellement, comme je la stationne, j'aurai pas la place. D'accord, ouais. Donc pour le moment, je peux pas. À voir plus tard. Ouais. Pour le moment, c'est pas ferme. Je vais regarder un peu l'intérieur, je peux me permettre, hein, Evan. Hein. Alors, on a un cuir, semi-cuir, je dirais. Oui. Et moi, j'y connais rien. Enfin, je me rappelle plus. Dans le film, c'était un cuir noir. Cuir complet. Noir, ouais. Je suis en pleine recherche, justement. Ouais, il me semble que c'était dans le taxi, hein. C'était un gris. Gris dans le taxi. Hein. D'accord. Et dans le 2, c'est du 2, 3, c'est du noir. Ah, d'accord. Du coup, là, t'as le volant d'origine. Et est-ce que t'as le volant de taxi qui se modifie? Non. Ou là, c'est pas le volant d'origine, c'est un volant de 406 coupé. Ouais. Celui-là, il a des surpiqûres. D'accord. Celui d'origine n'avait pas de surpiqûre, donc moi j'ai préféré celui-là. Et après, le volant du film, j'aimerais bien l'avoir pour le délire. Ouais, bien sûr. Je ouais. Peux pas le monter. Je vais juste le mettre. Rouler comme ça avec un volant d'origine pour pas avoir le voyant d'airbag. Ah oui, t'auras le voyant airbag. Parce que du coup, là, tu penses l'acheter ou tu l'as déjà le. Non, le... Je l'ai pas. Ah, tu l'as non, pas non. Mais si tu le trouves, tu vas le prendre pour le garder en déco, ouais. Genre le mettre dans le coffre ouais, ou... D'accord. C'est pas la priorité, mais si je le trouve, je le prends. D'accord. Du coup, voilà l'intérieur, donc comme dans Taxi. Après, il me semble dans le Taxi 2, il y a les sièges vomis. Hein. Ouais. Ça, c'est pas quelque chose que tu vas faire. Non, je pense pas. Non, tu vas pas. Il y a un vide-poche, mais il n'y a rien à voir. Ouais. Je veux bien voir le coffre et le moteur après, s'il te plaît. Ouais. Donc là, il y a Emilien, là, les ninjas. En quoi il y a pas mal de coffres hein, sur une ouais, 406. De toute façon, c'est une berline de chez Peugeot. Hein. C'est ça. Bon, j'ai le jerrycan parce que le tourne à l'éthanol, donc du coup, je me fais le réservoir supplémentaire. D'accord. Dans le carburant au cas où. Du coup, ça développe 158 chevaux. 158 chevaux d'origine. Ouais. Et je compte la modifier un peu, je vais mettre des pièces de 206 RC dessus. D'accord, pour lui donner un peu plus de boost. Actuellement, avec le tourne à l'éthanol, j'ai mis les injecteurs de 206 RC et ouais. Au garage, j'ai le connecteur d'admission de 206 RC. D'accord. Donc, je compte monter dessus et modifier la prise d'air. Pour l'admission. D'accord. Bon bah génial hein. Je vais voir le moteur s'il te plaît. Donc la magnifique 406 du Taxi 2 et la 8 du Transporteur 2. Super moteur. Putain, il est propre hein. Elle est pas bornée en plus tu m'as dit. Hein. 220 000. 220 000 ouais. Putain, on dirait pas hein. Donc là, il est tout d'origine, il y a juste des injecteurs de 206 RC et j'ai un filtre à air green. D'accord, donc 2 litres de tu m'as dit. 2 litres de, et ouais, ton éthanol du coup, 100%. 100% éthanol, 158 chevaux, en plus c'est léger cette voiture. Ça fait une tonne 3, une tonne 4. Non, c'est... Les feux, t'as pas mis genre LED et tout, t'as vraiment non, laissé à l'origine, halogène. C'est les ampoules Philips. Halogène là, ouais. Ouais, halogène. Ouais, comme dans le film. Effet xénon. Ouais. Effet xénon, d'accord. Après là j'ai la barre anti-rapprochement que j'ai récupéré sur un V6. Ouais. Donc, c'est une barre anti-rapprochement modèle d'origine mais sur le V6. Ouais. D'accord, donc là vous voyez la barre anti-rapprochement. Donc non franchement chouette moteur. En plus t'as vraiment laissé une couleur neutre, noire et tout, ça fait vraiment d'origine. Bon bah Daniel, tu peux nous démarrer la 406. On va écouter le son puis après on ira faire un petit essai routier. Ça va niveau moteur, elle tourne bien, t'as pas eu de soucis Non, spécial. Bah, moi je suis monté à Paris, j'ai un petit souci électronique, mais je l'ai résolu sur la route et ouais. Je vais partir.
Et c'est un véhicule que tu as depuis combien de temps du coup? Ça va faire 3 ans. 3 ans que tu l'as? 3 ans. D'accord. Ouais. C'était ça fait 3 ans. Et t'as mis 3 ans pour commencer à faire le petit projet, mais t'as fait pas mal de choses déjà. J'ai eu la bande avant d'avoir la voiture, après j'ai eu la voiture, après... Et tu voulais vraiment partir dans un délire taxi, ouais? Ouais, sur le coup, ouais. Quand je l'ai trouvé, tout de suite j'ai dit je veux ça et je veux faire ça. D'accord, bah c'est cool, bah comme après, moi tu vois, mais dans le transporteur. Ouais. Enfin au début c'était pas vraiment l'idée, moi j'aimais bien les grosses berlines et tout, et après c'est parti dans l'idée, tu vois. Vraiment à l'époque, moi j'ai voulu une 406, mais j'en avais trouvé une noire, si je voulais partir sur une noire. Et... Ouais. En vrai, du coup, l'autre voiture que j'ai actuellement, c'est une autre voiture noire que je pourrais présenter. Ouais, bien sûr, ouais. La prochaine, vous verrez la prochaine voiture d'Evan et on n'en dit pas plus. Et puis voilà quoi. Et du coup, après, quand je suis tombé sur celle-ci en blanc, j'ai dit, ah, je vais prendre ça et je vais faire ça. D'accord. Et la 605, elle t'intéressait pas en noir mat? En plus, elles sont rares maintenant, les 605. Ah, ouais, c'est qu'on voit dans le 2. Ouais, ouais. Bon, ça n'a rien à voir. Non, c'est moins mythique. Celle-là, elle me plaît mieux. Bien sûr. Bon bah super voiture, bah écoutez, on va faire un essai routier, on vous reprend juste après. Taxi 2, c'est parti. Donc vous allez voir, elle va se transformer par choc et par choc arrière. Taxi. Le taxi de Marseille, Daniel, Emilien. Sympathique voiture, hein, franchement. C'est vrai que peut-être plus tard lui faire pare-choc avant, arrière, ça pourrait être sympa. C'est très beau. C'est vrai que ça sent vachement fort l'éthanol. Bon, on va faire un petit essai sur la route et on vous reprend tout de suite. Bah, du coup, ça y est, on est parti, on est démarré. Hein. Ça va, Evan? Tu m'emmènes où, mon Daniel? C'est parti. On a la borne, on a tout. On va à Marseille. Allez, c'est parti. Je te guide. Allez. Celui-là, 207, là-bas. Fais gaffe à toi, c'est bon. Allez, on va à Marseille. On va faire un petit tour dans la zone, tranquille. Et puis on reviendra sur nos pas. On a laissé le transporteur tout seul. Mais ça va, il y avait pas mal d'options déjà à l'époque. Hein. T'es en boîte 5. Enfin, en boîte 5. Et elle est quand même propre. Hein. Parce que tu m'as dit, elle a 220 000 km. Ouais. On dirait pas. Hein. Il faut que t'ailles à gauche. Okay. C'est parti. Ah, ça pousse, hein. Mais l'autre derrière, il y a deux taquets et ça se fait recoller à chaud, là. Non, mais putain, faites deux parts, au fond. Mais regarde, c'est pas ma salle. Non, c'est un taxi. Tu la ranges ta poubelle parce que j'ai pas que ça à foutre, moi j'avance. Tu peux le doubler si t'as envie. Ouais, je vais le ranger un petit peu là parce que sinon on va y passer la semaine. Tout droit.
mais à l'autre rond-point, je ferai demi-tour et puis voilà. Ah, ok, ça va. Nickel. Et tu m'as dit, ça fait combien, 3 ans, vois-tu là? Ça fait 3 ans cette vie. 3 ans et là, les prochains projets, tu m'avais dit là. Ah, les trio Rainbow que j'ai déjà. Ouais, ils sont quelle couleur? Noir. Noir. J'ai de la chance parce que c'est compliqué à trouver et il n'y a pas beaucoup de ventes. C'est ceux que j'ai, ils sont nickel, la peinture est bonne. J'ai du Vitalia que j'ai commandé et il faut jouer des baguettes. Comment ça ferait stylé aussi après, si tu, plus tard, hein, si tu mets les pare-chocs, tu vas être remarqué de loin là. C'est déjà, c'est remarquable le tour. C'est remarquable, mais là avec les pare-chocs après. Oh, elle tient bien la route. Hein. Avec les bières rouges, j'ai l'intérêt. Ah ouais, elle marche bien. Bon, bah nickel. Hein. Là, tu reprends à droite. Et... on va retrouver le Jason Statham. Il est garé là-bas. Ah, va doucement, parce que ça c'est hyper serré là. Parce que t'as dû voir en arrivant. Parce qu'on a mis les nouvelles jantes. Ouais. Ouais. Super, super essai. Hein. Regardez le transporteur. Super. On va refaire une petite scène extérieure. Là, je vais filmer, puis on va dire au revoir à YouTube. Donc, franchement, ça marche bien. La 406 Evan, elle est vachement propre. Franchement, comme je disais, la voiture, elle a même pas un POC. Magnifique voiture. Donc, franchement, superbe. Bah, écoute, mon Evan, je te remercie pour cette présentation. Tu repasseras avec l'autre voiture avec très vite. La voiture à côté. Et puis, nous, on vous dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, salut. Ciao, ciao.